And I'm a big dreamer. Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Gameblog.fr. Et vous le voyez, on a pu jouer, ça y est, à Cyberpunk 2077. Et je vais vous confier quelque chose, c'est que je suis retombé amoureux. Pendant ces 50 minutes où on m'a présenté le jeu, j'en ai pris plein la tronche, plein les yeux, c'était absolument incroyable et je vais essayer du coup de vous restituer un peu tout ce que j'ai vu pendant cette présentation qui malheureusement n'était pas capturable. Donc il va falloir faire fonctionner un petit peu votre imagination. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on était sur du gameplay pré-alpha, mais pourtant c'était quand même visuellement très 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 abouti. Au commencement de l'aventure, en fait, vous allez choisir le sexe de votre personnage. Vous incarnez un personnage qui s'appelle V, quel que soit le genre que vous allez choisir, un homme ou une femme. Et j'ai déjà pu voir qu'il y avait beaucoup beaucoup d'options de customisation, que ce soit au niveau du visage et que ce soit au niveau aussi de la backstory, en fait, de l'histoire de votre personnage. Au moment où vous allez le créer ou la créer, vous allez choisir en fait les éléments marquants de son existence. Qu'est-ce qui le ou la faisait rêver étant petit ou petite, quel trauma il y a pu y avoir dans sa vie, est-ce que vous avez perdu un frère, une sœur, est-ce qu'il y a eu une rupture, un divorce, tout ça va jouer à un moment donné durant l'aventure parce que je vous le rappelle, c'est un jeu de rôle à la première personne, donc un FPS RPG si on peut dire. Et donc à partir du moment où vous avez créé votre personnage, on a eu une première séquence où on se rend compte en fait qu'on incarne, là en l'occurrence une femme, qui est chargée un petit peu de faire le sale boulot dans un monde qui se situe dans une réalité alternative en 2077. Donc il y a une partie de la technologie qu'on connaît, à laquelle on a accès, et il y a toute une partie fantastique. Ce qui va permettre énormément de trouvailles et de manipulations qui vont enrichir le gameplay. Donc la première mission en fait, qui nous a été confiée, c'est de retrouver une femme qui a disparu. Donc on se met à sa recherche, on infiltre un bâtiment avec Jackie, le compagnon en tout cas au début de l'aventure de V. Ce qui nous a permis de voir les premiers gunfights. Et ces premiers gunfights valide complètement la dimension RPG de Cyberpunk 2077 puisque vous avez un peu comme dans Assassin's Creed Origins les niveaux des ennemis qui s'affichent au-dessus de leur tête et en fonction de votre niveau à vous, et ben vous allez leur infliger plus ou moins de dégâts. Alors, en l'occurrence, si vous avez un équipement un petit peu cheapos et si vous êtes low level, et ben les gunfights vont être très très compliqués, ils vont prendre pas mal de temps, c'est ce qu'on a pu voir dans la première séquence de gameplay. Il y avait de nombreux tirs, il fallait toucher les ennemis à de nombreuses reprises en fait pour les tuer. Sauf que bon, vous avez quand même une astuce dans votre poche, c'est que vous disposez d'un espèce de bullet time, donc qui va vous permettre de ralentir l'action, de voir les balles passer, d'éventuellement de les esquiver et de prendre les ennemis à revers pour les défaire différemment. Une fois cette séquence de gunfight passée, on a réussi à découvrir le corps de la femme qu'on recherchait, qui était caché sous un autre corps qui baignait dans une vieille baignoire un peu dégueulasse. Et on a pu voir à ce moment-là la dimension futuriste en fait de Cyberpunk, puisque vous avez la capacité de plugger les gens. Alors pas comme dans Matrix avec un stick derrière le cou. Là en l'occurrence, c'est comme si on avait un espèce de port carte SD derrière l'oreille, dans lequel vous pouvez récupérer et éventuellement pirater pas mal d'informations. En l'occurrence, V, elle a des skills, elle a des capacités de piratage, et on a pu obtenir beaucoup d'informations sur cette femme qu'on a pu retrouver, notamment son numéro de carte de crédit, ce qui nous a permis, en fait, à sa place, de commander une équipe de secours qui s'appelait la Trauma Team, qui est arrivé sur son balcon et qui l'a emmené pour la soigner, sachant que on vous fait comprendre assez rapidement que vous ne faites pas partie de ce monde-là, que d'avoir une traumatisme, ça coûte extrêmement cher, et ça permet en fait d'ouvrir un petit peu la dimension narrative que va proposer Cyberpunk 2077, puisque à partir de ce moment-là, on a une petite ellipse qui nous amène 3 jours plus tard. Et là, on commence à découvrir les décors en extérieur. Et j'en ai pris vraiment plein les yeux. On est quelque part entre Blade Runner et le cinquième élément. Il y a énormément de décors, de bâtiments, de styles vestimentaires qui m'ont fait penser au cinquième élément, en l'occurrence. On est sur quelque chose de futuriste, mais pas trop. C'est hyper intéressant. Il y a des éléments qu'on retrouve, par exemple, de Detroit. En ce qui concerne les passages piétons, par exemple, vous avez des signaux lumineux qui s'allument par terre, qui vous disent quand vous pouvez y aller. Vous avez des panneaux un petit peu partout, comme le décor que vous pouvez voir derrière moi. Vous avez des voiture qui ressemble un petit peu à une espèce de DeLorean futuriste avec très peu de couleurs, quelque chose d'assez fade, alors qu'à côté de ça on a des néons gigantesques, des écrans énormes qui envoient une espèce de teinte violette
C'était un peu une dominante de ce qu'on avait au niveau des éclairages. On avait beaucoup de violet. On avait ce côté futuro-psychédélique. Pas dystopique, parce que ce que le jeu va nous raconter est vraiment typé CD Projekt, c'est-à-dire que rien n'est binaire, rien n'est 0 ou 1. On est toujours dans l'entre-deux, on est toujours dans un niveau de narration et de critique qui est extrêmement subtil, que j'ai trouvé absolument fantastique. Donc à partir du moment où on sort, on a retrouvé à nouveau Jackie et on est allé en fait rencontrer un espèce de baron qui s'appelle Dexter. Dexter de Shawn, qui nous a confié une mission qui en fait souhaiterait se procurer un drone, un drone droïde en fait qui prend la forme d'une espèce d'araignée. C'est un petit robot qui peut grimper au mur et exécuter tout un tas de tâches. Et ben pour ça, il va falloir qu'on ruse un petit peu, et c'est la dimension RPG là qui prend le dessus, puisque les choix vont être multiples tout au long de l'aventure, à commencer par les dialogues, puisque vous pouvez, en fonction de votre humeur, du roleplay que vous avez envie d'insuffler à votre personnage, choisir vos dialogues, voire parfois ne pas choisir l'option du dialogue, mais l'option de la force du combat. Dans les choix qu'on a pu voir, il y avait certaines lignes de dialogue, mais aussi le fait de sortir son arme et de déclencher en fait un combat à ce moment-là. Pour le coup, la démo qui nous a été présentée accepte la mission. Et pour se procurer le petit robot en question, il fallait ruser. Et on s'est rapidement fait attaquer. Enfin, la personne qui jouait la démo s'est rapidement fait attaquer par un espèce de gang qui tient un petit peu les rues, puisque dans ce monde parallèle, les rues en fait sont en proie à une espèce de forme de nouvelle criminalité. Donc on a un gang armé qui est venu nous proposer un deal finalement, c'était d'utiliser ses crédits, donc l'argent du jeu, pour aller se procurer le robot. Alors, on comprend pas trop les motivations à ce moment-là. Ok, on accepte la mission, on prend les crédits qui prennent la forme d'une espèce de grande carte un peu transparente. Et une fois de plus, au moment où on accepte la carte, on avait tout un tas d'autres options pour faire en fait les choses différemment. Et même une fois qu'on a accepté l'argent, l'un des développeurs qui était là nous explique que voilà, cet argent, maintenant qu'on l'a, on peut effectivement l'utiliser pour aller acheter le robot tel qu'on nous l'a proposé, on peut la garder pour nous et faire quand même la mission. Donc on réussit en fait à arriver à nos fins et en plus on empoche le magot, ou alors on peut garder l'argent et ne pas accomplir la mission, ce qui déclenchera sans doute un combat plus tard, puisque la nana qui nous a menacé au moment où elle nous donnait l'argent, elle nous a dit voilà, si tu fais pas ce que je te demande, on va se retrouver très bientôt. Donc vous avez un éventail de possibilités assez dingue, sachant que le ton est de bout en bout extrêmement mature, que ce soit dans le choix des dialogues, que ce soit dans le design des personnages, dans la manière dont les personnages interagissent les uns entre les autres. C'est vraiment ultra intéressant. Ensuite, on a vu une première phase de conduite, puisque Jackie, l'ami avec qui on était, nous a proposé de monter avec lui en voiture, de prendre le volant. Et donc s'en est suivi une phase de découverte en voiture. Vous avez un espèce de HUD en fait qui apparaît sur le pare-brise. C'est cette petite dimension futuriste qu'on peut apercevoir dans tout un tas de petits détails. Et j'insiste là-dessus parce que vraiment le jeu est bourré de détails qui racontent des choses. Si vous avez joué à The Witcher 3, vous savez de quoi je parle. Les décors, les éléments, les objets qui vont dessiner ce monde vous racontent, font état en fait de ce qui se passe dans cette société. Et alors qu'on roulait tranquillement, on était en ville, on se fait d'un coup attaquer en fait par un van qui ouvre ses portes devant nous alors qu'on est prêt à prendre l'autoroute et qui commence à nous canarder. Donc à ce moment-là, on a laissé le volant à Jackie, s'est penché par la fenêtre et du coup s'ensuit un gunfight à toute vitesse sur l'autoroute, sachant que l'autoroute dans Cyberpunk, ça peut vite tourner court en fait, puisque sur une sortie, sur une bretelle qu'on a pu prendre, d'un coup vous vous retrouvez en fait dans un espèce de bidonville qui coupe complètement la route et qui vous oblige à aller ailleurs. On sent que c'est un peu le bordel en fait, les gens se sont installés comme ils veulent, il y a une énorme pauvreté qui est latente, qui est visible au travers des rues, au travers des personnages que l'on rencontre. Et donc à partir du moment où on s'est échappé de ce gunfight, eh ben on s'est mis en route pour aller récupérer le robot en question, puisqu'il était uniquement en vente dans un espèce de marché noir assez sombre où on avait une fois de plus pas mal de possibilités, puisqu'une fois arrivé devant le bâtiment, Jackie vous propose d'y aller à la bourrin, d'infiltrer, de dézinguer tout le monde, ou d'y aller tranquille. Parce qu'on a de l'argent avec nous. Donc c'est l'option pour laquelle la démo a opté. On est rentré dans le bâtiment.
dialogue assez cru, assez énervé, avec les espèces de punk qui évoquaient forcément un petit peu Splinter Cell, puisqu'en fait ils avaient à la place de la partie supérieure de leur visage, ils avaient des espèces de lumières, en fait, entre 3, 5, 6, des lumières qui leur donnaient une espèce de personnalité assez bizarre, assez dérangeante. On sent beaucoup de tension au moment où on rentre à l'intérieur de cette boutique un peu clandestine. Et là, le jeu, une fois de plus, nous dévoile l'éventail de ses possibilités, puisque à un moment donné, le boss arrive, nous prend en joue en demandant ce qui se passe. À partir de ce moment-là, on peut le clasher, on peut lui répondre assez violemment, on peut sortir les crédits en lui disant « Regarde mec, on vient pour acheter du matos ici, laisse-nous tranquille », ou on peut une fois de plus sortir son arme et dézinguer tout le monde. Là en l'occurrence, on lui montre les crédits, du coup la situation se calme un petit peu, et au moment où le boss choisit de valider en fait les 50 000 crédits qu'on avait avec lui, d'un coup, la tout s'éteint, les lumières s'éteignent, la pièce s'est plongée dans l'obscurité, tout le monde est en panique, et à ce moment-là, eh ben, on va partir, là pour le coup, en gunfight. Impossible d'y échapper, ça a été l'occasion de réutiliser le bullet time dans le noir, et de voir aussi que V peut bénéficier en fait de pas mal d'ajouts, de capacités, puisque là on avait une espèce de vision nocturne qui nous permettait de déglinguer les ennemis assez facilement. En fait, tout au long du jeu, vous allez pouvoir profiter de plein d'ajouts. On a eu une petite séquence en fait juste avant ça, où on allait se faire changer un œil pour bénéficier de capacités supplémentaires, d'un zoom, de scan. Et la séquence est super intéressante parce que tout ça est vu à la première personne. On va chez un espèce de tatoueur, hacker qui s'appelle Victor, qui est visiblement nous connaît très bien. On est une habituée des lieux. Et donc on se fait poser un nouvel œil, et on se fait aussi upgrader, on va dire, la surface de la peau, puisqu'en fait, Victor a posé une espèce d'extension sur la main droite de V, qui d'un coup lui permet en fait d'utiliser différemment ses armes, d'avoir par exemple plus de précision, de recharger plus rapidement, et vous allez avoir un éventail comme ça hyper large de capacités en fait à acheter, à débloquer au fur et à mesure, sachant que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. On a véritablement une scène où on s'installe sur un fauteuil où on pouvait discuter avec Victor et plaisanter en lui disant qu'on avait l'impression d'être un petit peu chez le dentiste, sauf que bon, c'est un peu plus violent, douloureux que chez le dentiste, hein. On voit qu'il y a plein de trucs qui nous brûlent un petit peu la peau pour implémenter cette extension. On se fait plugger aussi pour que l'œil change, pour ne pas ressentir la douleur. Tout a des conséquences en fait dans Cyberpunk 2077. Tout ce que vous allez choisir de faire, les choix dans les dialogues, les items que vous allez choisir d'équiper, tout va avoir une influence en fait sur le scénario, sur les relations aussi entre les personnages. Là, on a choisi de se faire changer un œil. Du coup, ça nous permettait de scanner. Et ça nous a permis du coup, pendant qu'on s'évadait de cette tuerie un petit peu qui se passait là où on allait acheter le robot, on a pu à un moment donné, c'était très intéressant, en fait, de loin, scanner quelqu'un parce que auparavant, on l'avait joué un petit peu infiltration, on s'était plugué, si vous voulez, vous avez comme un câble que vous pouvez brancher, vous relier à quelqu'un d'autre, pirater en fait son système intérieur. C'est pas un cyborg, hein, ça reste un humain, mais un humain 2.0 quelque part, au vrai sens du terme. Et à partir du moment où en fait on était rentré dans son esprit, on avait accès à tout un tas de choses, et notamment au fait de pouvoir de loin scanner d'autres ennemis qui étaient avec le mec qu'on a piraté, et on pouvait nous du coup à distance, en Wi-Fi quelque part, interagir avec eux, ce qui fait qu'on a empêché l'un des sbires qui était en contrebas de pouvoir utiliser son arme. Ce qui fait que vous surplombez la scène, vous allez sauter et assommer ou tuer du premier coup l'un des deux gardes, l'autre va vouloir vous tirer dessus évidemment, c'est le réflexe qui vient, sauf que comme vous l'avez piraté auparavant, il en est incapable, du coup vous pouvez aussi l'assommer et le massacré, on va dire, puisque on fait pas dans la dentelle dans Cyberpunk 2077. Ça vous donne un petit aperçu de tout ce que le jeu a à offrir en possibilités, en trouvailles de gameplay. Il y a vraiment énormément de richesses. Et alors, pour s'échapper de cette espèce de boutique clandestine, les gunfights continuent, sauf que là on a pu découvrir les nouvelles armes. On était au pistolet, évidemment amélioré jusqu'à présent. À un moment donné, on récupère un shotgun qui fait énormément de dégâts et qui, une fois de plus, illustre l'aspect RPG, puisque vous allez utiliser
un fusil, vous avez cette espèce de spread, en fait, de la chevrotine, entre guillemets, qui est à l'intérieur, et vous voyez des dégâts localisés, en fait, sur vos ennemis. Si vous tirez de près, vous allez voir les dégâts, en fait, générés par chacune des petites billes, des petites balles, en fait, qu'il y avait dans votre coup de feu. Ça fait énormément de dégâts d'un coup, on voit la barre de l'ennemi descendre, mais on voit la localisation, c'est hyper bien fichu, ça arrive très très vite. Et très rapidement après ça, on a récupéré une arme automatique avec une fonction très intéressante. Vous avez un espèce de viseur élargi, en fait, dans votre champ de vision. Et à partir du moment où vous avez localisé un ennemi, si vous arrivez à le maintenir, en fait, dans cette zone, toutes les balles vont intelligemment partir sur lui, en fait, automatiquement. Vous pouvez viser un petit peu à côté, c'est pas grave. Vos munitions vont venir toucher l'ennemi. Donc vous avez déjà, en l'espace de 50 minutes, une variété de possibilités d'approche, et ne serait-ce que dans les combats, sachant que derrière, on est arrivé face à un boss qui, là, pour le coup, était 3 niveaux au-dessus d'une autre. On arrivait niveau 2, le boss était niveau 5, avec une énorme armure. On voit tout de suite que c'est quelque chose de très, très impressionnant. Et du coup, il fallait d'abord, en fait, défaire un bouclier pour réussir à le battre. Si on avait pris la peine, justement, de hacker, de pirater certains de ces sbires, on pouvait avoir accès à certaines informations. Quand vous piratez les sbires, vous avez tout un tas d'infos que vous pouvez choisir d'exploiter, en un temps limité, en l'occurrence. Donc, on pouvait prendre des renseignements sur ce boss. Et du coup, on savait qu'il avait un point faible qui se trouvait derrière. Du coup, un petit coup de bullet time, on passe derrière le boss, on explose son bouclier, et à partir de ce moment-là, le combat prenait une toute autre tournure, puisque là, on lui infligeait véritablement des dégâts, ce qui permettait de réduire un petit peu la différence de niveau, sachant qu'il fallait faire usage intelligemment des trois armes dont on disposait à ce moment-là, donc le pistolet, le fusil et une arme automatique. Et donc, à un moment donné, après avoir battu ce boss, on sort enfin de ce traquenard et de cette boutique un peu clandestine pour se faire accueillir par la femme qui nous avait auparavant confié les 50 000 crédits et qui du coup rigole un petit peu parce qu'on comprend évidemment que la carte qui contenait les 50 000 crédits était piratée et que tout ce qu'elle voulait justement c'était que ce soit un petit peu la pagaille à l'intérieur, sachant qu'on avait quand même récupéré le robot. Mais du coup voilà, il y a un dialogue un petit peu musclé, on peut une fois de plus choisir comment on va discuter avec elle, régler ses comptes tout de suite, garder ça pour plus tard. Là en l'occurrence, dans la démo, on a fait profil bas pour finalement rejoindre Jackie qui était venue nous récupérer. Mais ça vous donne une petite idée de la finesse, en fait, de ce que va pouvoir nous raconter Cyberpunk 2077. Parce que de tout ce qu'on a vu, dans toutes les situations, dans les décors, dans les dialogues, il y avait une critique très intelligente, d'énormément de choses, de la connexion à tout prix, puisque on voit qu'on peut se faire pirater, on voit qu'on peut utiliser les comptes bancaires des gens qu'on réussit à infiltrer. C'est hyper intéressant, c'est très intelligent, comme je vous le disais, il n'y a rien de binaire, il n'y a pas une condamnation gratuite, méchante, de tout un tas de choses. C'est vraiment quelque chose de très fin, et c'est d'autant plus pertinent, en fait, que cette réalité parallèle où tout se passe en 2077, par beaucoup d'aspects, évidemment, évoque notre société, évoque un futur très proche et dénonce vraiment intelligemment tout un tas de choses. On avait toute une partie sur le consumérisme, en fait, puisque vous vous baladez, vous voyez des publicités, alors pas aussi grandes que celles qu'on a derrière, hein, mais des publicités sur des panneaux dans la rue, vous pouvez appuyer dessus, et là on vous guide automatiquement vers le magasin ou vers le distributeur le plus proche. Dans l'appartement de vie, quand on se réveillait 3 jours après, on avait un distributeur automatique payant qui était directement dans l'appartement. Donc de chez vous directement, vous pouvez acheter de la nourriture, de la boisson, évidemment tout ça est payant, voilà, on a plein de choses très 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 intelligentes, et vraiment j'ai été charmé de bout en bout par les 50 minutes de démo qu'on a pu voir. C'était donc du gameplay pré-alpha, mais c'était extrêmement fin dans les textures, la direction artistique est complètement ma boule. Vraiment là j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir y rejouer. Alors malheureusement, en sortant, j'ai discuté un petit peu avec l'équipe de CD Projekt qui était sur place, en leur demandant évidemment quand est-ce que ça sort les gars. Le mot d'ordre est toujours le même, ce sera prêt quand ce sera prêt. Donc a priori, on n'est pas prêt de pouvoir jouer tout de suite à Cyberpunk 2077. Et c'est quand même vraiment dommage, parce que de tout ce que j'ai vu, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir poser les mains dessus. C'est incroyable. Voilà, ce qui s'est passé, c'était magique. Pendant 50 minutes, j'ai vu quelque chose qui m'a retourné la tête, qui m'a mis pas une paire de claques, une centaine de claques dans la figure. Donc voilà, vivement qu'on puisse revoir et vous reparler de Cyberpunk 2077. Et en attendant,
On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles impressions en vidéo. Vous savez qu'il nous reste encore 2 jours de salon, qu'on va voir plein de belles choses. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter. Surtout, dites-nous ce que vous attendez de Cyberpunk 2077, comment vous avez imaginé un petit peu la scène. Et n'hésitez pas à tweeter aussi avec le hashtag E3Gamelog. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette formidable, sur cette incroyable démo de Cyberpunk 2077. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles impressions en vidéo. Ciao!